Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour écouter le tout dernier album de Caris, KAA, l'Amiral. Let's go, il y a des gros featuring, grosse soirée. Le chat il est en folie. Ça part, premier son qui s'appelle Dans la fusée. Je pense que ce soir ça va slay. On va croquer ce soir. Pute. T'as vendu ton âme au Bloodia, tu crois que ça se voit pas à la caméra? Je compte plus le nombre de bus qu'on a séca, masqué sinon la vidéo nous m'écrase. On va vider le frigo, on va décaler, t'es pas à l'abri qu'on sorte le métal. Mais gros, c'est quoi le flow de fou qu'il a? C'est quoi cette intro? Il me régale. À moi bien dans le blanc des yeux, ça va sortir comme un jet d'eau. Tout le monde a ses crampons. Let's go! Hey, mais gros, ça fait plaisir de retrouver un big Caris énervé comme ça là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu aussi sous testostérone, hein. J'ai un entraîneur tactique planqué dans le noir pour les cueillir. Il est fulminesque. Non mais gros, il a slay de fou là. L'intro elle est incroyable. Vous en pensez quoi sur Twitch? C'est trop énervé, il me dit Jules. On mange. Allez, on passe au deuxième son. Et le deuxième son il va pas rigoler. Il envoie direct sur un featuring avec Kobalader. On croque. C'est pour les croqueurs l'album. J'ai pédasse toutes mes vacances. J'ai baisé toutes mes vacances. J'ai pris son snap pour rigoler. Sans faire exprès j'étais bourré. Putain les gars, j'aime pas la partie de Kobalader là. Il est pas ouf en vrai. Hein. Pour la voix de Caris quand il est rentré sur le morceau, j'avoue, il m'a pas laissé indifférent. J'ai bien aimé là le petit grain un peu miel. Transporte la bœuf dans la classe grand large. Je serai en lambeau en full en vain. Depuis le début, je connais la fin. Ma pétasse est guapa, la transaction est tellement rapide que le diable ne me voit pas. Je suis deg, premier featuring, première déception. Vas-y, Kobalader, pas ouf en vrai. Ah écoutez, en dernier recours, il a dit Fireman. On passe sur Tu parles un peu trop, troisième morceau de l'album. Je connais les routes à éviter, ton suivi j'ai pisté, t'es très déguisé chez... Non mais gros, il est trop énervé, comment il rentre sur les sons là. Dans les pétasses, nettoie ta chatte dans le bidet. Je suis déjà à une sortie de périph' dans le clagé. Igo, pas de marche arrière, je suis engagé. Même pour faire du repérage, je suis en GG. Mais voilà, mais en fait c'est ça. C'est sur les sons comme ça, merci le big Caris. Là, tu nous régales. Fils de pute, tu vas pas nous dribler. Tu vas pas nous tripler. La filtration est triplée. Le cœur est greffé. L'équipe est briefée. Hey les gars, il a pas un peu un flow à la Sevran là, à l'époque là? Non, Sevrac là. Le poujon de Liège est dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Y'a pas un délire un peu? On est prêt pour actionner le machin. Pour faire couler sans pas besoin que tu sois à jeun. J'ai pété le million, pas besoin de tous ces rageux. Une escorte c'est seulement pour me soulager. On repart en charbon pour manger. Ok. Eh franchement il slay sur le morceau, il nous régale le K2A. Oh, réel c'est ce vrac, c'est incroyable. Ah on est d'accord, il y a un petit délire en vrai, je suis pas fou. Pense à péter, personne va t'aider. Quand tu seras par terre, tu connais les gens. Fumé de S qui forme un écran. Permis port d'armes, tire comme un texan. Même à 43 ans, il sort des sons énervés. On passe à Favela, le quatrième son de l'album. Est-ce que parmi vous, il y en a encore qui stream régulièrement Caris ou pas? Parce que moi je me demande, genre moi à l'époque, il y avait vraiment une époque où je streamais H24 et tout. Mais là, j'avoue, ça fait un moment j'écoute plus trop quotidiennement. Tu vois, en mode vraiment tous les jours, tu vois, il y a vraiment des sons que vous écoutez là, des derniers sons qu'il a sortis et tout. On a bossé sans relâche dans la favela. On se connaît même pas et tu viens nous faire là. Voilà, c'est ça le problème. C'est que Caris, après, il est trop tenté à chaque fois de sortir l'autotune. Et quand il sort l'autotune, à chaque fois, c'est double tranchant. C'est soit c'est un banger, soit c'est guest de fou. Je réécoute les anciens sons, genre Gun Salute. Ah, tu vois. Gun Salute, tu vois, c'est le genre de morceau où il a bien géré sur l'autotune. En vrai, il y en a quand même parmi vous qui écoutent toujours quotidiennement. Vous régalez, franchement, vous régalez. On fait pas crédit et tu négocies. Deux roues rafales dans tous les coachs. Quand t'as des fusils, bah tout est possible. Et le premier soir, tu fais la possessive. En vrai, le flow, il est intéressant. Mais je trouve que la prod, elle est pas assez percutante. Les 808 sont fatigués. Ah ouais, gros, ce son, il me fait dormir, mec. Ça va skip, hein. Ça va passer à Ebelebe. Ah ouais, vous trouvez qu'il ressemblait à Niska sur ce son? Tiens, j'avais pas trouvé, moi. Ça m'est pas sauté aux oreilles. Moi je les connais même pas, eux ils connaissent ma vie. Si t'achètes reviens pas chez nous, pas des savets. Dans les veines j'ai de la glace mais ça vous le saviez. Eh les gars, vous avez kiffé la ref au début. Dans les veines j'ai de la glace mais ça vous le saviez. Les gars, est-ce que vous avez la ref ou pas? Régalez-moi et dites-moi que vous avez la ref. Zo, ouais c'est ça. Attends, je vais lui sortir l'engin. Elle va m'appeler tonton, on recharge le AK comme la puce les barras. Je serai libre quand Bison sera libéré. Je serai libre quand Bison sera libéré. Mais attends, mais Bison c'est aussi un morceau de l'époque. Libéré, en bas avec un moteur puissant. En full des IOR, Christian. Je vais sortir les crocs comme un lion rugissant. Et le son là, je sens qu'il va péter ce son. Ma vengeance a le goût du sang. Écoutez-moi le refrain, les gars. On veut la vida de trafiquanté. Ah!
Il veut me perplexe. Je trempe mes larmes dans tes cookies, encore une belle rêve. Et par contre, le son me régale. Dans le hési cagoulé, pour pas que tu me remettes si tu crois que tu m'as fait. C'est que t'es bête sur son huc et ta tête, je peux mettre là les pépettes. Je suis dans 4-4 lambeaux, je leur mets là les tempêtes. Il débite le cochon, il me régale. Vous avez kiffé ou pas l'équipe? La première fois qu'on l'entend le refrain, il laisse perplexe. Mais en vrai, les gars, moi j'ai kiffé les rêves sur les couplets et tout. Ça, j'ai bien aimé. Pour ça, je cale un petit like. Je pense que je vais la réécouter. Vas-y, on va passer directement à Automatique. Le featuring avec SCH. Mais non, le featuring avec SCH. Comment il s'appelait le son Caris avec SCH? Ils ont déjà fait un featuring ensemble. Comment c'était quoi le titre? Celui qui me retrouve ça, il est trop fort. À fond dans le Benz, si tu crois qu'on se contente d'être. Je m'avais à la roulette, non et dans le camp cambèche. Ok, l'entrée d'SCH, elle met tout le monde d'accord, les gars. Elle met tout le monde d'accord. Je suis habillé pour des obsèques, je suis pas complètement dans le dead. Et je suis venu avec un 45, je suis pas complètement dans le dead. Non, mais les gars, c'est un poulet monstrueux. C'est monstrueux, les gars. Automatique, violence gratuite. Je vais revenir au check sans plaque diplomatique. Je grandis dans les coins sombres pour les hommes ne pleurent pas. Mais les gars, la vraie question, c'est comment Caris il peut rentrer sur le son et ne pas se faire manger. Parce que là, SCH il a mis trop de prestance sur le premier couplet. C'est une dinguerie, gros. Mauvais H24, je suis dans 11 de départ. Je l'ai dit à une 26, on est mauvais H24. Attends, il a dit quoi? Il a dit, je te l'ai dit à une 26, on est mauvais H24. Ça veut dire qu'à 1 minute 26, il dit 7 heures. Mauvais H24, je suis dans 11 de départ. Non, pas mal, il fait des refs à ses propres couplets dans le son, j'aime bien. Me pollue l'esprit. Let's go. Gros, oh le passe-passe sur le refrain, en vrai il est pépite. Automatique, c'est direct un like en fait. C'était trop sale. Bon, on passe au morceau suivant qui s'appelle War. Pas besoin de la barre pour voir quand une pute fait la star. Pour comprendre qu'un traître veut ma part. Je veux qu'elle écarte, elle veut voir ma placard. Je sais y'a combien dans la part. Il est trop vif. Comment c'est possible d'être aussi chaud? C'est la War. Si je veux faire ronfler la cale, je dois rentrer tard. Il a tellement atteint toute la polyvalence, il est capable de découper salement et il est capable de faire la petite mélo sur le refrain. Merci Tino et Alchimie pour le follow. Et merci à tous ceux qui s'abonnent les gars, vous êtes des monstres. Tous ceux qui s'abonnent, qui like, vous êtes trop forts. On passe au son suivant qui s'appelle Le prix de la réussite. Tu te réveilleras un matin en demandant où est papa. Je suis parti mais je suis toujours là pour toi, je serai un gilet pare-balles. Là on est sur un petit son émotif de la part de Caris. Mais t'avais raison Dylan, j'avais pas capté, mais ouais c'est vraiment un son pour ses enfants j'ai l'impression. J'ai une main remplie de gifts, dans l'autre je garde. Car la jalousie et l'aigreur amènent leur cœur à la dérive. Aucun flop, en vrai pour moi le flop c'est le son avec Kobalade pour l'instant. Je suis noir et barbu donc pour eux je suis coupable à la base. Même sur une civière comme Tupac ce sera un doigt niqué vorace. Toi tu... Eh mais gros l'album il est blindé de rêves. Sur une civière le jour où Tupac s'est fait tirer dessus, il se fait emmener par les pompiers et tu vois la photo, il est en train de faire un big doigt sur la photo alors qu'il est dans la civière, il s'est pris 4 balles. On passe au son suivant les gars qui s'appelle Mirador. Grave varié, ouais j'avoue l'album est varié, c'est propre de ouf. Merci à... Wesh, wesh, wesh. Non mais là, Mirador, il envoie une saleté là. Ouais, bombe dès le début, non, c'est trop sale. Ah ouais, SO le flemme, la prod. Mais gros, c'est... Oh non les gars, ils pouvaient tous passer. C'est quoi cette entrée miteuse? En mode S, monte dans la gauche, tire dans la tête, la sombritude. Mes bulles d'air touchent le bitume. Oh les gars, j'ai envie de pleurer là. Il m'a donné mal à la tête là sur l'entrée. Non, c'est trop grave. Un petit avis, ça vaut le coup d'écouter l'album? Non, franchement, t'arrives au pire moment, frérot. On va passer directement au son bénef parce que gros, je suis hermétique au son. Il y a trop d'autotune comme ça, miteux. On veut les gigas sans se lever tôt. J'ai les yeux coups qui sentent le bédo. Air Max sur le béton, yeux dans les rétro. Tu veux nous guesmer, t'as cru que t'étais chaud. J'ai pas... Pourquoi il nous endort comme ça? Eh les gars, les meilleurs sons pour l'instant, c'est Automatique avec SCH, War, Énervé. Même Le prix de la réussite en mode daron, il était pas mal. Et BLB, c'était pas mal aussi, en vrai. Moi, j'ai bien aimé. Album de l'année, bah, faut doser, frère. On passe au son Paro. Merci Steve pour le follow. Eh, faites comme Steve, abonnez-vous. Allez sur Instagram aussi. Mec, s'il y a un souci, mon glock est le raccourci. Y'a rien qui m'adoucit sauf l'odeur ta poussi. J'ai envie de baiser ta sœur, je résiste à mes penchants. J'en ai 10 dans le chargeur et une dans la broche enchaînée. Mais voilà. En fait, ça va, il nous met des feintes et il revient. Et voilà, là on est bien, là on croque, les pastas, merde. Que chacun reste à sa place, je mélange ma haine avec le syrup. Celui qui monte pas sur la bécane, c'est une salope.
Bah alors Karis, c'est pas gentil de dire tout ça. Trop de mélange, ça m'a rendu paro. On arrive en boule et tu sais que tu vas douiller. Arrête de chialer, ta queue, je t'ai varrouillé. La pute dans le lot, c'est celle qui fait la queen, je l'ai appris. Je trouve qu'il régresse, pourtant j'aime vraiment Karis. Mais hey, quand tu compares cet album à celui qu'il avait fait avant, la 270, franchement, moi je préfère celui-là, il y a des meilleurs trucs dessus. On passe au son Celtics, les gars. Je suis dans le 4 anneaux, elle écarte à les beuges comme une chinoise au JO. Mais gros, c'est une dinguerie ce qu'il a dit. Elle écartera les bugs comme une chinoise au JO. À quel moment il lâche des dingueries comme ça, gros? Ma Fiat à Napoli, ou même pas la police. J'suis dans ma folie, à la Montana Tony. Y'a un gars, il a dit, la qualité d'écriture de Karis, elle a carrément chuté. Franchement, quand t'écoutes le son, ben, il a pas tort en vrai. Mafia Tarnapoli, j'ai la vie de Tony. Frérot, ça y est, on dirait Naps. Je reviens comme Sully, les gants un peu salis. Je la finis dans son lit, même si c'est pas joli. Oh, c'est ChatGPT qui a écrit le son, non? Il a dit, fais-moi des rimes en I, et il a sorti le texte. Non, là, c'était chaud quand même. Sur le terrain pour les 3 points, dans les mains, on a argent et arme de pain. Non, mais les gars, il fait quand même rimer point et point. Y'a un gars, ce qu'il a dit dans les commentaires, il a pas tort, hein. Elle écarte à les bûches comme une chinoise au JO. Ma Fiat à Napoli, on n'aime pas la police. C'est lunaire. Qui l'a autorisé à mettre ça sur l'album? Là, ça fait 3-4 sons, il nous met plus trop d'accord. Bon, vas-y, on va passer au gros salaire. Le son suivant, gros salaire, et après, on va enchaîner. Il y a le son d'Amza. Il y avait du cash, des armes, du produit, mais on va pas tout déclarer. Si je l'ai pas ken, que j'ai pas pris mes pièces, c'est que mon vol a été retardé. Pas mal là. Là, c'est pas mal. Là, merci. Je veux juste un gros salaire. Okay. On se reverra à Al-Kiama. Okay. Ces chiens vont dormir par terre. Si à soirée pyjama. Ouais, Dylan, dis n'importe quoi, Dylan. Le flow à Werenoi. À quel moment il y a le flow à Werenoi sur le son? Au sommet de l'arbre, ils veulent me pousser du haut de l'échelle. On a le même bolide, pétassiège passager, sauf que toi t'es plaqué PL. Les paroles miteuses, mais le refrain était très carré, j'ai bien aimé. Comparé au début de l'album, là ça fait 4-5 sons que c'est répétitif. Ouais, j'avoue, Maxime, t'as raison. On passe au son suivant qui s'appelle Panama. J'espère que c'est pas un flop. J'avais zappé que c'était le son avec Hamza. Là, il faut qu'il nous régale, parce que s'il nous régale pas maintenant, c'est jamais. Le OGQ7 carré devant Delilah. Oh nanana. Oh là là. Oh, je sais plus où mettre la tête. C'est incroyable. Regarde l'horloge comme un boxeur. Zaza exotique dans la mixture. J'ai les yeux rouges comme mes surpiqûres. Non, c'est pas un son de chicha, capo, arrête. Qu'on essuiera, tu leur diras. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de pas être celui qui les tuera. Oh, pas mal ça là. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur d'être celui qui les tuera. Merci. Voilà, il relève un peu le niveau, Karis. Amola m'appelle sur mon cellulaire. Un pack de balles dans ta visière. Ça fait longtemps que je... Eh, mais attends, mais il nous régale là, il sort 2 couplets. C'est incroyable, c'est incroyable. Tant plus la pression. Turbosport injection. Turbosport injection. Je sais pas si c'est une ref calée à Rof tard l'époque, mais en vrai ça fait plaisir quand même. Et si les choses compliquent, est-ce que je pourrais compter sur toi? Le OGQ7 carré devant Delilah. Eh mais les gars, ce son, il me met des papillons dans le ventre. J'ai l'impression que je viens de rencontrer une nouvelle meuf, c'est incroyable. Oh non non non, elle a le Birkin bag plein de Colombiana. SCH et Hamza sauvent l'album. Ah, c'est un peu dur de dire ça quand même. Carrément, de base, c'était un son de Hamza, il lui a refilé. On n'entend que Hamza, mais ouais. Mais c'est vrai que je pensais qu'il y avait la place pour que Karis y revienne à la fin du son. Finalement, il est même pas revenu. Karis, il a fait un passage éclair. Allez, les gars, on va passer à Fuck la vie d'avant featuring Kershak. Est-ce que c'est pas ce qu'on attend un peu là? Partout, comme le drapeau algérien, le cœur en acier valérien. Tu me connais, je vise que les teutés pour les duels aériens. Déjà, ça commence mal. On dirait il rentre, il est hors temps. Je sais que Karis, qui kiffe poser bizarrement sur les prods, mais là, il rentre hors temps, bizarre comme ça. Attention, attention à ce qui va se passer là. Ok, attends. Faut que je digère ça. Les gars, on va se le pull up. Allez chercher l'argent, dans le contraire, il vient pas. Aller chercher les sous, dans le contraire, ils viennent pas. Pourquoi on dirait il parle dans la cagoule, Kershak? Il enlève pas la cagoule quand il est dans le studio? Toujours accompagné d'un couteau, à l'ancienne, il mettait son côté. Connu pour votre violence, pour trafic de résine, j'ai 2 picots, 3 cartes signes. Ok, l'entrée, elle est pas mal. Mais les gars, les lyrics de Kershak, ils tournent toujours en boucle. C'est toujours la même chose. Ouais, j'ai 3 bigots. Ouais, je suis connu pour trafic dessus. Frérot, c'est bon. Le bigot sonne, il est en mode avion. Mais frère, ça y est, arrête un peu. Faut aller chercher l'argent, il vient pas. Faut aller chercher les sous, donc à contraire ils viennent pas. Mais qui comprend ce qu'il dit là? Les gars, est-ce que vous arrivez à décrypter ce qu'il dit? Moi j'arrive pas à comprendre. Donc à contraire ils viennent pas. Faut aller chercher l'argent. Donc à contraire ils viennent pas.
faut aller chercher les tales. Fallait chercher l'argent, ok. Dans le cas contraire, il vient pas. Ah, ok. Ah, tu l'as. Non, vous avez l'oreille, vous êtes fort. Moi, j'avais pas. J'ai le son, il est au max dans le casque. J'avais même pas compris, gros. On passe au morceau suivant. Tête brûlée. Alors, frérot. Regarde mon dos et balafré, donc en ce moment c'est pas la fête. Mais non Mathis, jure tu te fais opérer les dents de sagesse. C'est que moi je me suis fait opérer les dents de sagesse il y a genre 3 semaines. Ben la tête de Wam c'est horrible. Pendant une semaine tu vas pas pouvoir manger, tu vas manger que de la soupe, de la purée de carottes mon pote. Force à Watt hein, parce qu'on est pas du tout ensemble, c'est horrible. Je compte pas rester par là. Je suis parti en guerre. Oh, qui est le Lascar qui m'a dit le son il est incroyable? Qui m'a dit tête brûlée va être incroyable? Reste debout solide comme guéri. Fonce tout droit, défonce les barrières. Bon, et eh ben les gars, conclusion sur l'album là en vif. Ceux qui sont là depuis le début de l'écoute, qu'est-ce que vous en avez pensé? En vrai, bien. Franchement, 7 sur 10, 6,5. C'est plus Caris, c'est Caresse. Celle-là, elle est forte. En vrai, 6,5 sur 10, je trouve que c'est une bonne note. La première écoute d'un projet, c'est jamais la meilleure. J'avoue, Erika, t'as raison. Mais là, les lyrics, à la deuxième écoute, ils vont pas changer. C'est plus Caris, c'est Kermesse. Non, vous êtes des bâtards. C'est 3 sur 10. Eh, vous êtes des bâtards. En vrai, vous, je me rappelle, hein. Quand la Melo et Gangs, elle est sortie, vous étiez en mode, ouais, c'est gaze, c'est gaze. Là, je suis sûr que vous avez retourné votre veste, la plupart. Mais là, en vrai, pour une fois, je suis un peu d'accord avec vous. Il est parti sur les chapeaux de roue, il nous a offert un vrai dîner. Et à la fin.